Donc, François Roy au championnat provincial amateur féminin à Carleton. Je suis avec Anne-Catherine Tanguay. Félicitations, Anne-Catherine. Merci, merci une beaucoup. Belle victoire. J'espère que tu sais que c'est ton troisième titre consécutif de championne amateur. 2011, Blainvilliers, l'année passée, Chicoutimi. Et cette année, trois titres en ligne. Félicitations. Merci beaucoup. Parle-moi un petit peu de ta ronde aujourd'hui. Ça a bien été aujourd'hui. J'étais un peu plus droite. J'ai même frappé dans le fairway, fait que ça, j'étais contente. J'avais eu quelques difficultés cette semaine, donc ça s'est réparé. Puis je pense qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai bien poté toute la semaine, puis je pense que c'est vraiment ça qui m'a sauvée cette semaine. Mais j'ai travaillé beaucoup là-dessus, donc ça a payé. Et parlons de la ronde. C'était particulier comme ronde. T'es parti ce matin avec deux coups de retard. Josée Doyon, qui est terminée deuxième, a bien joué son premier neuf. Elle a fait quelques birdies. Au 15e trou, si je ne me trompe pas, elle avait 5 coups d'avance sur toi, avec 3 trous à jouer. Comment, toi, tu as abordé ces 3 derniers coups et comment tu les as vécus? Je pense que le moment tournant a été au 16. J'ai frappé ma deuxième shot, un par 6, dans la trappe de sable. Puis, tu sais, moi, j'étais prête à « Ah, ben là, tu sais, c'est poche », mais... Puis là, mon frère qui cadait pour moi, il m'a dit... Là, il dit « Tu diras ça après... T'en parleras après la ronde », mais il m'a dit « Là, pour l'instant, là, va bien finir, puis essaie d'être contente pour toi ». Puis, c'était un peu ça que j'ai fait. Fait que j'ai sauvé mon par au 16. J'ai fait un beau par au 17, puis au 18. J'ai comme pris une chance, puis j'ai décidé de prendre mon bois 3 puis d'aller pour le green en 2 sur un par 5, donc... Je pense que ça a été une vraiment bonne décision. Ça a été agressif, puis ça a payé. Donc, j'étais contente de le faire pour moi, puis pour bien finir. Je veux dire, Josée, c'était un peu hors de mon contrôle. Elle a très, très bien joué, donc j'étais fière d'elle. Justement, au 18e, tu le dis, tu as joué un peu le tout pour le tout. Tu as forcé la note un petit peu. Tu t'es trouvé pas loin de la frise. Et Josée avait un petit peu plus de difficultés à ce moment-là. Tu avais un pote d'une bonne longueur quand même pour faire le birdie. T'as eu la bonne ligne, ton frère t'a aidé. D'habitude, les potes en anticipé, là, je dis là, ouais. J'y connais ceux-là. Hey, c'est bon. J'étais assez bonne, donc ouais. J'ai eu beaucoup de potes de la même ligne toute la journée. Donc, je savais que c'était un petit coin droit, puis j'ai été très, très solide sur mes potes en anticipé cette semaine. J'étais allée pour le tout pour le tout. Je savais qu'il me fallait un birdie pour aller... Si j'avais une chance, c'est ça qu'il fallait que je fasse, donc... je suis contente de comment les choses ont tourné. Et en même temps, le jeu agressif, ça a peut-être mis un petit peu de pression sur Josée, ce qui a rendu la tâche un peu plus difficile. En prolongation, ça s'est terminé rapidement. En premier tour de prolongation, tu as fait anormal, Josée, un bogey. Est-ce qu'encore une fois, tu as forcé les notes un petit peu? Oui, j'étais en bonne position sur ma drive pour aller avec le verre en deux, mais j'ai manqué mon coup. Donc, à ma troisième shot, j'ai vu Josée était dans le fond du green, puis moi, ma stratégie, c'était vraiment de la mettre sur le green, faire deux potes. Okay. J'ai pas voulu forcer la note parce que c'est vraiment ça. Il faut que tu adaptes ta stratégie en fonction de c'est quoi l'autre est en train de faire, mais je pensais qu'avec un par, je m'en sauverais, puis peut-être qu'on irait au prochain trou, mais c'est ça a marché, donc ouais. Super. Tu me dis que ton frère était là aujourd'hui avec toi. Ouais. Ça arrive souvent qu'il est cadet pour toi? C'est une habitude familiale un peu? Non, en fait, c'est la deuxième fois qu'il cadet pour moi. Okay. L'année passée, il avait cadé à Belleuil. Ouais. Au championnat CN Canadian Women's Tour. Donc, cette année-là, je vais essayer qu'il revienne me cader au Canadien. Puis, j'y ai dit, en tout cas, qu'il y avait une job là. Il était engagé. Justement, parlons-en des Canadiens. C'est à la fin du mois de juillet, à Belleuil, chez nous, dans notre cour arrière. On va être là pour te suivre, pour suivre les autres Québécoises. Comment tu te prépares à cet événement-là, comme n'importe quel autre événement que tu as joué dans la dernière année, parce que tu en as joué énormément sur le circuit de NCAA? Oui, oui. Je veux dire, je vais peut-être essayer d'aller jouer le terrain une couple de fois avant, voir c'est quoi les conditions. Je connais le terrain vu que j'ai joué un tournoi l'année passée. Puis, je vais juste continuer à pratiquer un petit peu, puis essayer d'améliorer les choses qui ont moins bien été cette semaine. Donc, je pense que ça devrait bien aller. Puis, tu as un objectif en tête? Un top 3, un top 10? Oui, c'est sûr. Ouais. Top 3, je serais satisfaite, mais une victoire, je serais très satisfaite. Bien, on te le souhaite. Merci beaucoup. Félicitations encore. Merci.